invité à ce séjour que je nomme Monsieur Olivier Santos. Il est le missionnaire des prochains. Sous nos acclamations pour la gloire de Dieu, sous nos acclamations pour la gloire de Dieu, je l'appelle au premier. Merci. Bonjour, mon cher ami. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour ensemble partager un message. Mais avant toute chose, je voudrais demander votre autorisation pour remercier le frère et docteur Jules m'a convié ce matin à ce forum. Aussi, je m'en vais vous encourager, surtout que vous avez un programme assez chargé et que vous avez délié mettre un peu de votre temps ce matin pour participer à ce forum. Vous êtes à encourager une bonne chose, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, Dieu Trois-Saint, nous te remercions ce matin de nous avoir réunis ici pour partager non seulement ta parole, mais également partager les bonnes pratiques qui doivent nous conduire dans la vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions également pour ce forum que tu as déjà institutionnalisé avec le temps. Nous en sommes aujourd'hui au Seigneur. Nous te prions par le nom précieux de Jésus-Christ que tu nous amènes à la fin de ce programme comme tu l'as commencé avec nous. Au nom de Jésus, amen, nous avons prié. Quand nous grandissons, nous avons cette volonté de grandir sur un certain nombre de plans. J'entends par là que nous devons grandir sur un plan physique, nous devons grandir sur un plan matériel, nous devons grandir sur un plan professionnel et nous devons également grandir sur un plan moral et spirituel. Alors, aujourd'hui, nous constatons que nous voudrions beaucoup plus grandir sur un plan financier, matériel et professionnel. C'est tout à votre honneur, c'est bien, puisque nous avons besoin de vivre, nous avons besoin également de résoudre en tant que chef chrétien dans le monde. Alors, dans quelle mesure nous devons grandir, c'est de cela que nous allons discuter ce matin, parce qu'il s'agit ici de l'élévation du jeune chrétien à travers le travail. Sur le document, j'ai vu l'élévation du jeune studio. Puisque mon prédécesseur tout à l'heure a eu à faire une communication, je sous-entends par là que beaucoup de nous ont reçu Christ et aujourd'hui ils sont prêts maintenant à marcher dans la voie de Christ. Amen. Notre thème, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes appelés à grandir. Mais grandir sous quelles conditions? Beaucoup d'entre vous ici espèrent finir leurs études et se lancer dans la vie active. Ainsi donc, ils veulent raisonner par leur travail. Ils veulent raisonner sur un plan financier. Mais beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes généralement très pressés. Nous sommes impatients. Nous sommes en but d'un dépôt démesuré. Nous sommes arrogants. Ce qui fait que, vu que nous sommes patients, nous voulons rapidement acquérir ces biens matériels et ces biens financiers, ainsi que cette logistique. Nous passons généralement par quoi? Nous rentrons dans les sectes pernicieuses, nous rentrons dans les cours où ils ont généralement des pratiques très douteuses. Nous parfons l'intégrité au profit de la fraude. Nous parfons l'intégrité au profit de quoi encore? La corruption. On se demande finalement, est-ce que nous, jeunes chrétiens, le monde actuel dans lequel nous pouvons, où nous avons cette fraude, nous avons la corruption, nous avons ces sectes pernicieux, pour nous, est-ce que nous pouvons faire notre vie? That is the question. Alors, à travers cette communication, ce matin, nous allons vous amener en tant que participants, puisque moi-même je suis participant, j'apprends de vous apprendre de moi. Nous allons nous amener alors à comprendre que malgré l'état actuel dans lequel nous vivons, le monde actuel dans lequel nous vivons, nous pouvons, à travers les principes bibliques, arriver à faire notre nid dans ce monde. Le deuxième point, c'est de vous donner la clé, puisque vous serez détenteur des fondements pour devenir maître de cette élévation. Nous allons vous donner la clé. Et après, il ne s'agit pas ici de faire la théorie, mais d'aller plus loin, nous allons également aborder, un temps soit peu, la pratique. Alors, j'ai essayé de subdiviser l'étude ou bien l'échange en trois points. Le premier point va porter sur les fondements de l'élévation jeune chrétien. Le deuxième point va porter sur les clés pour le jeune chrétien pour transformer ses bénédictions en prospérité. Pourquoi?
Parce que à travers les fondements, vous saurez comment poser vos bases. Et cela va vous donner des bénédictions. Maintenant, à travers les clés pour le jeune chrétien, pour transformer cette bénédiction en prospérité, vous saurez quoi faire pour devenir prospère dans la vie. Et le troisième point va nous permettre ici d'étudier la pratique, comment s'en prendre. Alors nous allons d'ores et déjà attaquer le premier point qui porte sur les fondements de l'élévation du jeune chrétien. Vous savez, s'il vous plaît, vous voyez ce beau jeune homme, il est constitué de corps. Un corps est constitué de os, d'eau et ainsi de suite. Mais il est là debout parce qu'il est constitué de quoi? De l'âme. Et toute cette enveloppe est couverte par l'esprit. Ainsi pour vous. C'est pour vous dire que je ne prétends que vous êtes constitué de trois parties. Donc vous êtes tripartite. Le premier élément qui constitue votre personne, c'est le corps. Le deuxième élément, c'est l'âme. Et le troisième élément, c'est l'esprit. On va décortiquer un peu ensemble, tout doucement, chacune de ces parties. Nous allons donc attaquer la première partie, qui est le fondement physique de votre personne, c'est-à-dire votre corps. Ici, vous voyez sur la présentation, nous voyons quoi? Un corps, un humain. Mais cette présentation a la particularité de présenter un homme blanc, pas noir. Ce qui suppose que, jeune chrétien que vous êtes appelé à faire usage de votre corps. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quel usage vous faites de votre corps? Est-ce que vous vous adonnez à l'alcool? Est-ce que vous vous adonnez à la cigarette? Est-ce que vous vous adonnez à d'autres vices? Or, la Bible nous enseigne quoi? Que le corps est le temple du Saint-Esprit. Cela suppose que nous sommes appelés à l'entretenir chaque jour que Dieu fait. Je vous donne l'exemple de Samson dans la Bible. Samson a été prié pour la gloire de Dieu. Rayonné à un moment donné pour la gloire de Dieu. Et par conséquent, il avait une instruction formelle pour entretenir son corps et plus précisément, quoi, ses cheveux. Il ne devait pas les couper. Mais tous ensemble, nous savons ce qui s'est passé au niveau de Samson. Il a corrompu, quoi, ce corps, n'est-ce pas? Bien entendu, parce qu'il a corrompu ce corps, il n'a plus rayonné pour la gloire de Dieu. Donc, nous devons faire un effort pour entretenir au mieux que nous pouvons notre corps. Le deuxième élément qui doit partir, le fondement de notre personne, pour pouvoir mériter de l'élévation, c'est bien évidemment l'âme. Tout à l'heure, j'ai demandé à votre camarade de se tenir debout. Ce n'est pas le corps seulement qui s'est tenu debout, mais qui s'est tenu debout grâce à l'âme qui l'habite. Par conséquent, je vous donne un exemple. Je vous dis d'imaginer tout à l'heure deux chiffres qui se trouvent là. Vous en êtes le maître. Et là, vous nourrissez régulièrement un chien. Et vous souhaitez de le nourrir régulièrement le second chien. Naturellement, vous avez un chien qui est en bon point, un second qui est en mauvais point. Qui dans ces chiens peut tenir votre maison ou bien peut mieux garder le maître? C'est celui qui est en bon point. De la même façon, vous devez arriver à nourrir votre âme. Alors vous voyez là, j'ai mis là, c'est obscur. Nous ne le voyons généralement pas. Il habite notre corps. Qu'est-ce qui doit être souvent fait pour améliorer la conception de notre âme? C'est naturellement de prier. De lire régulièrement la Bible. Car c'est à travers la parole que nous sommes appelés chaque jour de notre vie à fortifier notre corps. Sans la parole, nous ne connaîtrons jamais les préceptes que Dieu nous a donnés. Par conséquent, à tout moment, nous pouvons corrompre notre corps. Prier sans cesse. Il ne s'agit pas non plus de lire sans cesse. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais il est également demandé de se méditer. Vous savez, il y a un ami qui m'a une fois dit que tous les livres peuvent instruire, mais seule la Bible transforme. C'est-à-dire quoi? Que dire un bouquin? Je prends ce qui me fait dedans, je prends les principes qui m'attirent. Mais la Bible, elle est remplie d'un certain nombre de doctrines que nous sommes appelés expérimentés à pratiquer pour pouvoir mériter la gloire de Dieu et en ce sens
mettre notre corps dans de bonnes dispositions. C'est bien. Le troisième élément, je disais tout à l'heure qu'il s'agit de quoi? De l'esprit. Il s'agit là de votre corps du spirituel. C'est l'enveloppe pour et votre corps et votre âme. Et qu'est-ce que nous attendons essentiellement par esprit ou bien par spirituel? C'est la relation personnelle que nous avons avec Dieu. L'alliance renouvelée que nous avons avec Dieu. Ça se fait comment? Vous avez un bon corps qui est bien entretenu. Vous la nourrissez, vous nourrissez régulièrement votre âme. Et là, l'enveloppe, vous essayez toujours et toujours de vous mettre en relation constante avec Dieu. Et ça se fait avec quoi? La prière. Pourquoi la prière? Vous savez, chaque jour que nous levons de nos couches, ou chaque jour que nous entrons dans notre chambre pour dormir le soir, nous faisons toujours le devoir d'adresser une prière à Dieu. Non seulement pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis la journée, mais également pour lui adresser nos supplications, c'est-à-dire nos doléances. Nous comprenons donc là que si, en tant que jeune chrétien, vous arrivez à stabiliser non seulement votre corps en devenant convenablement, ou à stabiliser votre âme en nourrissant votre âme régulièrement, ou encore en améliorant votre alliance avec le Seigneur le Tout-Puissant, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Dieu agit toujours dans ma vie à travers tes bénédictions. Car lui-même l'a dit, que c'est bien, et il veut toujours que cet enfant prospère à tous égards. Et quand vous convertissez, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devenez alors la clé pour devenir fils de Dieu. Et quand vous devenez fils de Dieu, dès lors que vous suivez chaque jour ce précepte, il est prêt, il s'engage totalement à vous préserver et à vous couvrir. Voilà pourquoi il est important que vous ayez ces fondements. Pourquoi je voulais définir rapidement ces fondements? C'est parce que quand vous décidez un jour à construire votre maison, il s'agit de poser d'abord quoi, la fondation. Je peux décider de construire une maison à étage, et je distingue ici la maison à étage comme l'élévation. Ce n'est pas rez-de-chaussée. L'élévation, c'est aller encore plus haut. Par conséquent, c'est une maison à étage. Alors, si vous avez posé une maison à étage, c'est parce que la fondation est assez solide pour supporter l'édifice. Il n'y a pas longtemps de cela, en 2012, pour vous rappeler à quoi il y a un édifice qui s'est déroulé. Après les expertises, ils ont constaté que c'est la fondation qui était défaillante. Et que les poteaux n'étaient pas de normes critiques. Par conséquent, vous devez dans votre vie faire tout et tout pour préserver vos. Pour construire une fondation solide à supporter quoi? Votre élévation. Sinon, vous aurez bâti une élévation, elle va s'écrouler. Vous allez avoir une élévation, mais toujours par des voies détournées. Ainsi, je peux vous donner l'exemple de Joseph, encore dans la Bible. C'est parce qu'il a essayé de bâtir cet monument dans sa vie. Il a été en mesure de bénéficier des bénédictions du Seigneur. À un moment donné, il a failli être corrompu par la femme de Potiphar, mais il a préservé son corps. Il a préservé son corps parce qu'il avait les moyens de se nourrir régulièrement son âme. Et ensuite, il avait une relation personnelle avec Dieu. Voilà un peu présenter les fondements. Mais vous allez constater que quand vous remplissez ces fondements, je l'avais dit tout à l'heure, les bénédictions descendent sur vos vies. Mais il se fait que l'un d'entre eux est tellement paresseux. L'autre a un moment demandé, à un moment donné de leur vie, a demandé à son second, cher ami, viens, on va créer un business. L'ami, l'autre a dit à son second, non, je ne peux pas avancer. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'autre, il a pris possession de cette bénédiction, un détenteur de certains nombres de biens que vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui veut dire que vous serez béni, mais si vous restez toujours des hommes de pensée, vous n'avez jamais évolué. Il va falloir que vous deveniez automatiquement des hommes d'action. Il faut passer à l'action. Alors, passer à l'action de bien faire quoi? Il faut obligatoirement travailler. Wow. Moi, je suis dans notre action, quand il y a un travail, il y a un travail. C'est clair, vous devez travailler. Vous prenez Joseph qui a quitté, vous prenez Jacob qui a quitté la maison de son père, à un moment donné de sa vie.
pour aller dans un pays. 14 ans après, il est revenu. Il est revenu avec quoi? Des biens. Il est revenu avec des enfants et sa femme. Ainsi, vous devez comprendre également, Dieu va vous bénir, mais il va falloir également que vous aussi pour travailler. Mais il se fait que l'un d'entre eux est tellement paresseux, l'autre a un moment à un moment donné de leur vie, a demandé à son second, cher ami, viens, on va créer un business. L'ami, l'autre a dit à son second, non, je ne peux pas avancer. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'autre, il a pris possession de cette bénédiction, un détenteur de certains noms de biens que vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui veut dire que vous serez béni, mais si vous restez toujours des hommes de pensée, vous n'allez jamais évoluer. Il va falloir que vous deveniez automatiquement des hommes d'action. Il faut passer à l'action. Alors, passer à l'action, le bien fait quoi? Il faut obligatoirement travailler. Wow. Moi, je suis pas dans la campagne, c'est clair, vous devez travailler. Vous prenez Joseph qui a quitté, prenez Jacob qui a quitté la maison de son père, à un moment donné de sa vie, pour aller dans un autre pays. 14 ans après, il est revenu avec quoi? Des biens. Il est revenu avec des enfants et sa femme. Ainsi, vous devez comprendre également, Dieu va vous bénir, mais il va falloir également que vous aussi vous travailliez. Dans Exode 16, quand les enfants, les fils israéliens, à un moment donné dans le désert, mourraient de faim. Et ils se plaignaient, ils murmuraient à Moïse. Moïse a fait quoi? Il est parti dans la prière, demander faire des supplications à Dieu. Dieu lui a dit qu'il va nourrir son peuple. Et il leur a demandé que chaque matin, ils se réveillent et qu'ils aillent sur quoi? Sur le terrain vide. Il fera pleuvoir quoi? La manne à travers la rosée. Mais Dieu avait dit quelque chose qui était très important. Vous prendrez juste la portion qui vous suffirait pour la journée, pas pour deux jours. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ce qui veut dire que vous devez travailler sans cesse. Chaque jour de votre vie, vous allez travailler. La preuve, ceux qui se sont amusés à prendre des portions pour deux, trois jours, quand ils ont mangé le premier jour, le lendemain, quand ils se sont réveillés, ils ont constaté que tout ce qu'ils avaient mangé comme grain pour le pain était devenu des vers. N'est-ce pas? Vous connaissez un peu l'histoire, non? Je vais encore plus loin. Au premier serviteur, il avait remis 5 talents. Au deuxième, il en avait remis 2. Et au troisième, il en avait remis 1. À son retour de voyage, il a demandé que chacun de leur rende compte. Le premier, qu'est-ce qui s'est passé? Il a apporté 5 talents qu'on lui a remis, plus 5, il a fructifié. Le deuxième, il a apporté 2 talents, plus 2, il a fructifié. Le troisième, il a ramené le seul talent. On peut travailler, on peut tout faire. Mais comment travailler, c'est la question. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de travailler pour le plaisir de travailler, mais il faut travailler de façon très méthodique. Si vous revenez toujours dans la Bible, excusez-moi, je prends toujours la Bible parce que, comme je l'ai dit, c'est le livre qui nous transforme, les autres nous instruisent. Et c'est le livre à travers lequel beaucoup de livres ont trouvé naissance. Par conséquent, quand vous prenez la Bible toujours, et que vous prenez Jacob, qui à un moment donné était parti travailler dans un pays, les richesses s'est constituées, mais il ne les a pas constituées comme ça. Il a travaillé de façon méthodique. Tout dépendait de comment il a coupé les brebis pour avoir des brebis robustes. Si vous lisez continuellement cette Bible. Et de cette manière, nous passons aussi que vous devez travailler pour pouvoir avoir des fruits. Quand vous travaillez, vous ne travaillez pas méthodiquement, vous n'aurez généralement pas de fruits. Par conséquent, vous devez travailler de façon méthodique. Et c'est ce qui nous conduit maintenant au troisième point, la pratique du travail bien fait. Comment ça prend? Il y a 5 éléments que je vais vous citer. C'est juste de la matière première que vous allez développer au fur et à mesure. Et cet aspect peut être vu sur 2 points. L'honnêteté avec vous-même et l'honnêteté avec votre entourage. C'est très important. L'honnêteté avec vous-même vous permet de savoir ce que vous explorez. Et vous explorez le bien à déterminer vos forces et vos faiblesses. Vos capacités et vos faiblesses. C'est seulement quand vous arrivez à déterminer de quoi vous êtes capable ou quand vous déterminez à quel niveau vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, que vous définissez les bonnes ambitions. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a été menuisier nous dise qu'il peut être médecin. Quelqu'un qui a fait la menuiserie de qui peut être médecin. Jamais. Ce qui veut dire qu'il a des limites dans quoi? Dans ce domaine. Alors ce qui peut créer, c'est forcément ce qui va avec la charpenterie et la menuiserie. De la même façon,
je vais légèrement taper sur le fait que vous êtes des étudiants. Alors, quand l'étudiant rentre à l'université, d'un point de vue général, il va pouvoir se sonder pour essayer de voir ses capacités. Si je suis quelqu'un qui est exceptionnel en lettres, je ne veux pas m'en aller faire la médecine, ni les mathématiques ou le physique. Je dois faire la médecine et la mathématiques ou le physique. C'est forcément parce que je suis bien en sciences, je suis bien en mathématiques. Alors, le fait d'être intègre et honnête avec vous-même vous permet aujourd'hui de vous explorer correctement, de définir vos capacités que vous faites. Ça, c'est le premier point. Quand vous savez que quelqu'un est intègre tout de suite, on a cette tendance rapidement à pouvoir négocier parce qu'on sait que ce qu'il va vous dire, c'est honnête. Ce qui fait que, à travers votre comportement, vous allez influencer votre entourage. D'un point de vue général, pourquoi vous devez développer un standard d'honnêteté et d'intégrité très, très élevé. Je vais parler sur ma technique. Je vais devenir médecin. Des objectifs à court terme. Et si on va plus loin, vous avez des objectifs finaux. Et tirer des objectifs à travers la mission que vous avez désirée. Mais ça, vous pouvez dire que c'est l'objectif à long terme, dans un premier temps. Ensuite, le master, je fais plus après. Et après, maintenant, ces unités d'enseignement, vous mettez en place un plan opérationnel qui vous permet d'organiser convenablement votre vie étudiantine tout le long de votre cursus, notamment cette année-là. Donc, en d'autres termes, avec l'objectif, vous avez le plan, votre objectif général, votre objectif à long terme, moyen terme, et ainsi de suite, jusqu'au au plan opérationnel. Quand je me pose dans une situation de professionnel, c'est parce que quand je rentre dans une entreprise, je ne vais pas dans cette entreprise pour rester toujours, par exemple, en tant qu'assistant comptable. À un moment donné, quand je prends la carrière de gestionnaire, c'est parce que je vais devenir peut-être directeur financier. Ensuite, vous avez votre objectif. Nous passons maintenant au troisième point qui porte sur l'engagement. J'ai l'objectif, j'ai le plan, il faudrait bien que je sois engagé. C'est en ce moment que vous vous responsabilisez vis-à-vis du plan que vous avez mis en place. Vous vous engagez à aller de l'avant. Sans engagement, quand les difficultés vont se tenir, vous allez tout laisser à un moment donné. C'est suivi, c'est rattaché. Il n'y a pas l'un dans l'autre. Le quatrième point, vous vous êtes engagé à un moment donné à avancer dans la vie, à mettre en place, à avancer suivant le plan opérationnel. Qu'est-ce qui se passe? Il ne s'agit pas de faire quelque chose aujourd'hui, demain se reposer, le lendemain faire encore chose, se reposer. C'est-à-dire ne pas suivre son plan opérationnel. Donc vous devez prendre sur vous de rester constant et persévérant par rapport à ce que vous avez mis en place. C'est un point très important. Vous restez constant, vous restez persévérant. Mais à un moment donné, vous constaterez à l'université, vous recevez des cours, mais à un moment donné, on fait passer des examens. C'est le suivi et le taux d'évaluation. Donc, vous avez le plan professionnel que vous mettez en œuvre. À un moment donné, vous devez être capable de faire un suivi et vous auto-évaluer pour savoir si vous avez atteint les objectifs opérationnels complets. Alors, je prends l'exemple de l'université où vous avez des outils d'enseignement. Quand vous passez l'examen, vous vous rendez compte que sur 10, vous avez raté 2, il y a un problème. Alors, quand il y a un problème, toujours la subtilité et le suivi vous permettent maintenant d'apporter des corrections et des changements sur votre plan pour pouvoir rattraper le cap que vous avez vous-même prêté. Mais il ne s'agit pas non seulement de ça, c'est que vous devez également avoir de l'initiative. Comprendre un étudiant très studieux qui, suivant son plan opérationnel, fonctionne normalement. Et bien, à un moment donné, vous pouvez même prendre de l'avance. Alors, si vous prenez de l'avance, c'est que vous aurez forcément des heures creuses. Vous devez prendre l'initiative de faire autre chose. Rattraper quelque chose ou bien dépenser quelque chose. Tout dépend de vous. Sur un plan professionnel, prenons deux individus. Les deux individus sont des gens qui travaillent correctement. Ils sont efficaces à leur cause. Ils travaillent avec une certaine assiduité, une certaine constance, une certaine persévérance. Mais, quelle sera la différence entre ces deux individus à un moment donné? C'est que le patron, il va apprécier toujours et toujours celui qui prend de l'initiative et qui prend quelques risques calculés. C'est ça qui fera la différence entre vous et votre second. Généralement, on se contente souvent notre fonctionnement francophone de faire ce qu'on appelle la boucle et puis on s'en va. Vous avez
des objectifs à atteindre, vous avez ensuite la suivi, l'engagement, puis après vous avez la suivi, le suivi, l'auto-évaluation. Mais n'oubliez surtout pas que vous travaillez dans un environnement donné. À l'université, vous êtes avec des gens. Au travail, vous êtes forcément avec des gens. Vous partagez toujours une discussion avec quelqu'un. Vous saluez forcément quelqu'un, vous passez à côté de quelqu'un. Vous devez développer deux critères essentiels pour pouvoir vous faire accepter de votre environnement. C'est très important. Il faudrait que vous alliez dans l'acceptation des différences. Je suis sûr ici que si je demande à toutes les ethnies de se compter, nous en aurons plusieurs. Je dis que vous devez être capable d'accepter. Vous êtes capable d'accepter les ethnies avec qui vous travaillez. Deuxième point. Ici, il y a un moment, certainement, il y avait d'autres personnes qui sont venues de certaines religions. On peut avoir des musulmans ici. Mais parce qu'ils ont écouté la parole, ils sont devenus aujourd'hui des chrétiens. Donc, en étant à l'université également, vous faites face à cette diversité de religions. Cela ne veut pas dire que vous devez mettre à part ces personnes. Le mode de vie ou encore l'âge. Vous n'avez pas les mêmes âges. On peut retrouver quelqu'un en première année qui a 20 ans et quelqu'un d'autre qui a 30 ans. Cela ne suppose pas qu'on le mette à l'écart. Juste pour vous dire que si vous acceptez les différences, vous aurez aussi les informations. L'information, c'est la clé de la réussite. Quoi que vous voulez, c'est la clé de la réussite. Alors, en tant qu'étudiant, il peut vous arriver à un moment donné que le professeur ait quelque chose qui vous a échappé. Votre collègue, parce que vous avez de bonnes relations, vous avez cette acceptation, cette différence, vous êtes tout en avec lui. Il va vous donner cette information. Vous évoluez. Aussi, vous devez comprendre que vous devez être en joie avec ceux qui se trouvent autour de vous. Je me souviens, il y a quelques années, on était dans une entreprise. Et c'est tristement qu'un supérieur, à l'époque, le supérieur en question, c'est quelqu'un qui avait un défait. Un PCM en temps, l'équivalent des CA et autres. Donc, nous étions arrivés, il y a un parmi nous qui était immédiat. Laissez passer, difficilement qu'il s'appelait, il était avocat, il faut reconnaître qu'à l'université, il était vraiment brillant. Donc, il était un de sa personnalité, il était évidemment arrogant. Donc, vous devez comprendre que être pour toi dans son environnement vous permet d'avoir toi une élévation. Ce qui fait qu'à un moment donné, nous étions venus au début pour un stage. Juste parce que il avait ce comportement déplaisant. Nous avions tous été rappelés à un moment donné pour commencer le travail. Quand lui n'a pas été rappelé. Simple bonjour, ça ne va pas vous tuer. Un simple merci. Ou encore un simple s'il vous plaît, puis-je vous aider. C'est très simple. Donc vous devez apprendre à être pour voir avec votre entourage. Eh bien, chers amis, nous venons de voir que nous avons la possibilité d'avoir notre édifice, notre élévation, en se basant sur les fondements chrétiens, les fondements solides que sont l'entretien de notre corps, la nourriture pour notre âme, la préservation ou bien la mise en place d'une alliance personnelle avec Dieu, qui sont nécessairement gage de nos bénédictions. Mais en même temps, nous avons appris qu'on peut avoir ces bénédictions, mais dès lors qu'on ne rentre pas en possession de ces bénédictions pour les transformer en prospérité, on restera toujours à notre point de départ. Aussi, ne pas rester à son point de départ suppose que nous devons travailler. Nous avons également appris que travailler ne suppose pas travailler juste comme ça dans les désordres, mais travailler avec de la méthode. Et travailler avec la méthode revient à dire que nous devons développer un certain nombre de caractéristiques qui sont essentiellement basées sur l'honnêteté, l'intégrité, ensuite basées sur la définition des ambitions, des objectifs, puis après l'engagement, pour finir au quatrième point, basé sur la suivi, le suivi, le contrôle, l'initiative, la prise de risque. Et le tout couronné par quoi notre comportement ou nos relations envers nos prochains, notamment l'acceptation des différences et la courtoisie. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que, en tant que jeune chrétien,
pour décider à fonctionner suivant les règles du monde, c'est-à-dire les sectes religieuses, ou encore des groupes pratiqueuses, ou encore parfois l'intégrité, ou encore pratiquer la faute ou la corruption, ou bien décider à fonctionner suivant les règles de Dieu qui sont basées sur des fondements chrétiens. Règles des péchés. Vous avez le livre de la Bible. Vous avez des questions? Je vous remercie. Sovoli, Akwe, Ramakwe, la balle. Ce n'est pas de la théorie. L'élévation du jeu sur Dieu, ce n'est pas de la théorie. Il faut qu'on dépasse les cas de la théorie pour aller à la pratique. Vous avez vu qu'il y avait des exemples dans sa présentation. C'est pour dire que lui-même, il est passé par cette chose-là. Il a connu ce qu'on appelle l'élévation en étant studieux. Il a été consultant, il a travaillé avec beaucoup d'organisations internationales, il a travaillé avec PSI, il a travaillé avec l'Union Européenne, il est actuellement directeur administratif financier sur un projet où on fait des développements à la base. Et quand il devait aller pour l'interview, je me rappelle, j'étais avec lui, on a prié, il était avec des gens expérimentés, des papas, il était très jeune, le plus jeune dans l'équipe. Mais Dieu a permis que ce soit lui. Alléluia. C'est parce qu'il y a eu un effort qu'on fait au niveau du travail et il y a Dieu qui est là pour soutenir. Quelle que soit votre spiritualité, si vous ne vous mettez pas au travail, il y a des gens qui ne rêvent pas grand, qui se disent que quand on est chrétien, il faut être humble. Et parce que je suis humble, je veux juste tout ce qu'il faut pour ne pas mourir. C'est-à-dire avoir 10 et c'est mon humilité. Parce que si j'ai 15, est-ce que c'est ça l'humilité? C'est ça? Donc, je crois que vraiment, nous devons prendre au sérieux tout ce qui a été dit par rapport à notre préparation mentale, par rapport à notre préparation spirituelle et notre préparation qui nous amène au sommet. Le monde dans lequel nous vivons ne veut plus des passages. Il y en a tellement. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup plusieurs personnes qui ont eu la licence, qui n'ont pas de travail? Plusieurs. Mais on veut des gens qui ont la licence avec mention. C'est ça qui fait la différence. Et c'est quand on veut chercher des gens, c'est cette personne-là qu'on va chercher. Donc, je crois que nous avons été bénis par la présentation de Frère Santos. Parce que je voudrais préciser cela pour vous dire qu'en réalité, ce n'était pas la théorie, mais il est un fruit, il est un exemple. On peut copier parce qu'il a vécu des choses. Quand il parlait de ça-là, il ne peut pas utiliser des choses, mais il a reçu des positions parce que le Seigneur est avec lui et parce qu'il donne de bons résultats. Alléluia. Il est consultant actuellement, on le consulte pour beaucoup de choses parce qu'il a la connaissance, il a la compétence, il a la grâce de Dieu. Et je crois que déjà vous êtes dans nous ici qui voulons aussi aller, même plus que lui. Ou bien, est-ce qu'il y en a déjà comme cela? Est-ce qu'il y en a? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, quand nous allons recevoir les questions, je vais laisser la parole. S'il y a un point qui n'est pas clair pour vous, vous avez l'occasion pour poser votre question. Quelle main de l'autre côté? Merci, M. Santos, pour exposer l'enseignement. Et je vais poser une question concernant un point qui est souvent un peu flou. Et dans son développement, penser devenir un docteur. Si c'est qu'il veut devenir un docteur, il fallait qu'il étudie la médecine à l'université. Je veux savoir, dans ce cas, si par exemple mes capacités sont contraires à mes ambitions, je donne l'exemple. Par exemple, je suis fort, lorsque j'étais au lycée, j'étais fort en français. J'arrivais même à me sortir en français, mais je suis pauvre en anglais. Alors que mon objectif, c'est de
encore sur la situation de l'expérience. Ici, on dit d'accepter les autres. Maintenant, il y a certains groupes, comme on a parlé des sexes, on voit que ce n'est pas bien. Maintenant, si nous sommes au campus ici, un groupe de sexe, et ils nous invitent, ou ça, ils veulent nous parler de leur groupe. On sait bien que c'est un sexe. Est-ce qu'on peut accepter ou bien comment on va se comporter face à ces personnes? Le frère a dit qu'il faut qu'on travaille parce qu'aujourd'hui on veut les meilleures personnes. Mais il arrive qu'on dit souvent que les hommes ne sont pas égaux. En classe, on peut voir quelqu'un qui fait le premier et l'autre le dernier. Et si on fouille bien, on voit que le dernier veut être aussi le premier, mais il n'y arrive pas. Et on dit que c'est son destin. Est-ce que c'est vraiment son destin ou bien les autres? J'aimerais demander à l'aîné, et en prenant le temps de certains étudiants, ils ont bien envie d'y aller de l'avant, ils ont les capacités intellectuelles, ils ont la volonté, mais faute de moyens financiers, ils n'arrivent pas à pouvoir s'affronter aux réalités. Et Dominique Léo, donc j'aimerais demander à l'aîné, comment remédier à ces problèmes? Je vous remercie pour toutes vos questions. À la première question de savoir, dans ma communication, j'ai parlé d'un menuisier qui ne peut pas devenir docteur, ou du moins médecin. Et vous voulez savoir à ce niveau pourquoi? En même temps, je crois dans ma présentation, il s'agit au fait d'être honnête avec soi-même. J'ai appuyé là-dessus parce que du moment où vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas définir vos ambitions pour commencer. Alors, parce que tu n'as pas défini tes ambitions, tu te fixes des objectifs que forcément tu ne pourras pas atteindre à un moment donné. Et en tant qu'étudiant, vous risquez d'arriver à un décrochage. Sur un plan étudiant santé, on appelle décrochage l'état dans lequel un étudiant se trouve à un moment donné où ce qu'il a choisi comme étude ne répond véritablement pas à ses capacités. Vous êtes appelé à un moment donné à laisser tomber et vous aurez perdu du temps, de l'énergie. Vous allez recommencer autre chose pour finir les découragements. Alors, celui qui a des capacités en français et qui n'a pas véritablement un niveau en anglais qui peut devenir docteur. Jusque-là, je crois que avoir des capacités en français suppose que vous avez un niveau littéraire avancé. La question de savoir, est-ce qu'à un moment donné, vous allez négliger cette matière qui est l'anglais? Mais, à mon avis, du moment où ces deux matières se trouvent dans une même zone d'activité, notamment la tradition et la littérature, par la force du travail, on peut arriver à corriger cet art. Il est question ici, entre le français et l'anglais, de dessiner un point. Ça se trouve dans un même secteur. Mais le menuisier et le docteur, c'est deux secteurs différents. Par conséquent, un menuisier ne peut pas devenir dessin, mais celui à un niveau donné en français ou bien il y a des aptitudes littéraires, suppose qu'il peut améliorer également son anglais. Le moyen par lequel tu arrives à apprendre convenablement le français, tu peux bien utiliser ce moyen pour avoir l'anglais. Mais en tant que charpentier au menuisier, tu as pour tout faire, tu ne seras jamais médecin. Le deuxième point, il s'agit de la question de notre frère ou soeur sur l'acceptation des différences et il a émis le point suivant lequel on peut être tiré par les sectes pernicieuses. L'acceptation des différences, ce n'est pas les sectes pernicieuses. J'ai développé ce point en disant que c'est basé sur la religion ou, comment appelle-t-on, l'âge, bien, l'étude. Par conséquent, on a beau avoir de cette différence au sein de votre congrégation, bien c'est que vous demande d'arriver. En tant que jeune chrétien, vous lisez
utilisez la parole, je vous ai dit tout à l'heure, mais à travers l'âme, vous fortifiez votre corps. Et l'âme en question, vous devez le nourrir quotidiennement. Quand vous lisez la Bible, et que la Bible vous défend d'aller vers cette éternité. Parce que vous avez l'acceptation des différences, vous allez mettre le pied là-bas, pour qu'ils vous remplissent la tête de leur doctrine, ou bien de leur doctrine. Non. C'est en cela que vous devez constamment lire la Bible pour savoir les chemins que vous devez emprunter. Le troisième point, on me demandait de savoir quelle est la différence entre l'âme et l'esprit, laquelle doit maintenir une bonne relation avec Dieu. J'ai cité trois éléments comme étant les fondements. Les trois éléments ont un lien. Aucun de ces éléments n'est dissocié de l'autre. Par conséquent, il disait que l'âme maintient le corps et l'esprit également. Mais l'âme pour instruire le corps doit être nourrie par la parole de Dieu. L'esprit, c'est le spirituel et c'est ce qui vous met en relation personnelle avec Dieu. Comprenez donc que vous n'aurez jamais de relation personnelle avec Dieu si vous n'entretenez pas votre corps selon les doctrines bibliques. Ça, c'est un point indéniable. Donc, il n'est pas question de dire ici que ces éléments sont dissociés et que l'élément est plus important que l'autre. Dès lors que vous nourrissez convenablement votre âme chaque jour avec les éléments scripturaires, la Bible, vous transformez ainsi votre vie et par conséquent, vous êtes dirigé devant Dieu. Et dès lors que vous adressez les prières, ils sont déjà acceptés. J'avais même un grand exemple quand vous êtes converti, vous détenez maintenant le titre d'être converti vers le salut, vous détenez le titre pour être enfant de Dieu. Alors, Dieu, parce que vous êtes le titre pour être enfant de Dieu, s'engage alors à vous accorder sa protection à tout moment. Quand vous ne répondez pas aux règles bibliques, automatiquement Dieu se détourne de vous. Donc, vous retenez juste que les deux éléments sont entièrement liés, ils ne sont pas dissociés et ils ont la même valeur aux yeux de Dieu. Le quatrième, on dit le dernier vœu. Dans nos amphis, on dit souvent que le dernier vœu est le premier. C'est normal. Quand il choisit d'aller faire une prière parce qu'il veut réussir. Mais parce que il fait certainement les efforts, mais il est toujours dernier. C'est parce que depuis, il n'a pas été honnête avec lui. Est-ce qu'il s'est véritablement sondé pour savoir s'il a les capacités pour aller faire cette prière? That is the vision. Et là, du moment où vous n'avez pas les capacités pour aller vers là et que vous y allez, vous allez vous tendre automatiquement vers l'échec et le décrochage. Donc, il est très important au début, vous essayez de vous sondre convenablement, vous essayez d'évaluer vos forces et vos faiblesses pour définir là où vous devez aller. C'est très important. La cinquième question, c'est comment remédier aux problèmes financiers et pour pouvoir faire ces études. C'est un peu difficile comme question. Je réfléchissais, je n'ai pas trouvé la réponse, peut-être que mon frère s'est dit. Je crois que j'aurais juste dit à mon frère de vraiment rester jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une partie dans l'après-midi qui va beaucoup parler de comment on peut être étudiant et aussi arriver à subvenir à nos besoins. Et donc, je ne vais pas perdre un peu de temps, parce qu'on a d'autres choses. On va rester et puis il y aura le moment là. Sinon, c'est possible, c'est ce que je peux te dire. On est passé par là et on est arrivé, il y a d'autres personnes. On va juste ensemble partager nos expériences et le Seigneur va nous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut faire un bravo au Seigneur pour la vie de la terre? Merci beaucoup. Nous donnons l'occasion au groupe musical. Ce n'est que mon Dieu.
matin. Et il est un enseignant, prêtre pour l'université, il est aussi le groupe de Dieu. Et c'est lui que le Seigneur utilise pour que ce groupe soit établi, que le campus puisse éclairer cette université. Je nomme Monsieur Damina Jules. Acclamons le Seigneur pour sa vie. All the time. God is good. Si vous êtes content que Dieu est bon, vous pouvez applaudir pour célébrer la grandeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que on peut lire ensemble le thème de ce forum? 1, 2, 3. Élevé. Élevé. Et à suivre attentivement les communications de ce matin et de cette journée. Le résultat final, à la fin de cette journée, c'est que Dieu va prendre quelqu'un de la poussière et du fumier. Quelqu'un qui n'a personne, il va le projeter en haut. Parce qu'il est puissamment grand. Alléluia. Parce que sa puissance est grande. Alléluia. La Bible dit, dans Jacques 4, verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Qui va s'humilier devant Dieu? Je veux voir la main de ceux qui vont s'humilier. Humilie-toi à la parole, à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous enseigne. Ça vient de Dieu. En fin de compte, c'est que Dieu lui-même, ce n'est pas un homme. Dieu lui-même va te prendre. Il va t'amener en haut. Dis-moi, tu vas même pour ça quand même. Ou bien tu ne crois pas. Dieu va élever. Et comme le groupe musical vient de nous le dire, si Dieu élève, qui peut abaisser? Et si Dieu abaisse, qui peut élever? Je prie que tu ne fasses pas partie de ce que Dieu va abaisser. Mais que tu fasses partie de ce que Dieu va m'élever. Le message qui suit s'intitule l'humiliation et la fin des hautains, des gens gonflés, des gens qui n'ont pas du temps pour écouter la parole de Dieu. Quand Dieu va les humilier, qui peut les élever? Je vais avec votre encouragement accueillir l'homme de Dieu. Et cette heure, c'est le pasteur Lucien Agbati. Il est assistant médical de formation. Il est délégué médical de profession et pasteur de quoi? De profession. Donc, avec votre acclamation, nous allons l'accueillir ici. Et à la pour la petite histoire, c'est dans sa paroisse que j'adore. Donc, il est mon pasteur titulaire. Alors, applaudissez Dieu pour sa vie. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et je suis très ému et très content d'être devant vous ce matin. Pour partager avec vous la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu fait toujours du bien, je suis persuadé que tu recevras ton bien avant de partir au nom de Jésus. Et nous allons prier de vous et nous allons prier le Seigneur pour recevoir de lui ce matin. Et comme tu es de vous, commence par dire Seigneur de cela. Je ne veux pas être le reste. Je ne veux pas être la queue, mais je serai la tête. Seigneur, je ne veux pas être le dernier, mais je veux être le premier. Je
Je ne veux pas être parmi les humiliés, mais je veux être parmi les humbles qui reçoivent l'élévation. Pas être humilié, mais être simplement humble pour recevoir l'élévation. Il va dire, Seigneur, je suis là ce matin, je ne veux pas être distrait par quoi que ce soit, mais que mon cœur soit dirigé d'après ta parole. Pas à quelle résolution répondra le succès. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour ce matin. Merci de ce que tu es déjà présent ici et tu es en train d'impacter positivement la vie de chaque étudiant et de chaque participant. Et comme nous continuons, Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu qui conduit dans toute la vérité nous conduit ce matin afin que chacun reçoive ta touche spéciale au nom de Jésus. Seigneur, je prie que nul ici, que personne ici ne connaisse ton humiliation. Que personne ici ne connaisse ta colère. Que personne ici ne soit contre toi, mais que humblement nous soyons élevés par ta grâce. Que humblement nous sortions de la bassesse pour être au sommet. Sur la montagne de la victoire, la montagne de la visibilité. Que cela soit ainsi pour chacun au nom de Jésus. Comme nous continuons, continuez avec nous, Seigneur. Merci infiniment. Nous avons prié au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Nous parlons d'un thème très très important ce matin. Le thème est intitulé l'humiliation et la fin des hautains. L'humiliation, c'est une situation indésirable. L'humiliation, c'est une position initiale de laquelle on chute. L'humiliation, c'est un désir acharné non atteint, alors qu'on s'était préparé, on a voulu atteindre tous pour tous un niveau par les voies inappropriées, par les voies non recommandées, et lorsque ce n'est pas atteint, on se sent humilié. Oui, l'humiliation, c'est lorsqu'on dit de nous des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et l'humiliation, c'est la suite, l'issue de la vie des orgueilleux, de ceux qui veulent être au-dessus de tous et pas finir, qui se retrouvent en bas de tous. Ils sont humiliés. Les hautains, les orgueilleux, les hautains, c'est ceux qui ont une très grande opinion d'eux-mêmes. C'est ceux qui se considèrent au-dessus de tout le monde. Ceux qui n'ont pas la grâce d'avoir la vie qu'on appelle la modestie et la simplicité. Et c'est une vie qui caractérise généralement les gens aisés, les gens intellectuellement ou académiquement élevés et les gens qui croient être plus importants que les autres, c'est ça la vie hautaine. Et tout ce que je viens de dire ne fait pas partie des caractéristiques des chrétiens. L'humiliation est la fin des hautains. Je vous lis dans Proverbe chapitre 16. Ouvrez vos Bibles et je crois que vous prenez également de votre temps. Des étudiants de tels enseignements sont consignés dans des cahiers de notes et on les repasse, on les passe en revue et cela permet de s'imprégner encore davantage. Dans Proverbe, vous voyez les choses et les proverbes, je vous lis le chapitre 16, le verset 18. Proverbe chapitre 16
et le 18e verset. Là, nous disons, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quand vous voyez quelqu'un chuter, vérifiez tout simplement dans sa vie s'il n'a pas été orgueilleux auparavant. Et si vous avez vu quelqu'un entrer dans la ruine, son royaume est complètement ruiné. L'empire qu'il s'est construit est devenu dégueulasse. Cherchez à voir s'il n'a pas été arrogant auparavant, s'il n'a pas été hautain auparavant. Et c'est ce qui a causé sa ruine. Chapitre 4, à partir du verset 3. Là, nous disons, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. On demande dans le but de satisfaire ses passions dans l'intention d'être plus grand, plus considéré que les autres. Et ça, Dieu n'exauce pas de telles prières. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle envers, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux seuls. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je lis encore un passage dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 15. La première épître de Jean, chapitre 2, à partir du verset 15, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit de ne point aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, qui sont donc la convoitise des yeux. Alors quand on parle de la convoitise des yeux, nous sommes en train de parler de ce qui peut rendre quelqu'un orgueilleux ou hautain. La convoitise des yeux, ce que l'œil voit et qui l'intéresse et qui a envie de posséder cela afin d'être mieux que les autres, afin d'être au-dessus des autres. La convoitise des yeux, c'est dans les habillements, c'est dans nos voitures, c'est dans nos maisons. Tout ce que nous possédons, ce que l'œil peut voir et apprécier, il n'y a rien de mauvais à posséder de beaux habits, de belles voitures, de belles maisons. Mais lorsque la convoitise nous fait passer par des voies non recommandées, non appropriées pour les posséder, c'est l'orgueil qui nous pousse à cela. On veut être mieux que les autres, on n'a pas encore les moyens, mais on veut passer par tous les moyens et arriver à cette fin non recommandée. La convoitise des yeux, la Bible dit que la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. C'est quoi la convoitise de la chair? C'est la position que nous recherchons, l'élévation que nous recherchons, la gloire que nous recherchons, le confort, le pouvoir, la domination. Et c'est ce à quoi chacun de nous, pour avoir le pouvoir, la domination, dominer les autres, devenir plus riche que les autres, avoir une position élevée dans la société.
Et je prie que chacun de vous arrive à une position élevée dans le Seigneur. Dis-moi amen. Oui. Vous y parvenez parce que dans la vie, les gens sont partis de rien et ils sont arrivés au sommet étant enfants de Dieu, étant adorateurs de Dieu. Dieu les a élevés. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui que les jeunes, les étudiants, tout le monde veut emprunter pour vite s'enrichir et pour guider les autres, mais des voies non recommandées, des voies non acceptées. Et ces gens-là, rapidement, vous les voyez, vous sortez, ils sont de la même promotion que vous, et vous êtes dans le même boulot, mais très rapidement, en même temps record, vous les voyez réaliser de grandes choses. Le Seigneur. Et tant qu'il ne continue pas d'utiliser des voies non recommandées pour parvenir au sommet, attendez, vous verrez leur bruit. Vous verrez leur chute. Et c'est des chutes parfois irrémédiables. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Voilà. Donc la poursuite de toutes ces choses en dehors de Dieu a poussé beaucoup aujourd'hui à se donner à des sectes pernicieuses. Et ça pilule aujourd'hui ici sur le campus. Des gens viennent vous voir, ils vous parlent, ils vous proposent des choses pour avancer rapidement. Et même pour réussir dans les études. Ils vous proposeront des prières. Ils vous proposeront des moyens astucieux pour vous dire que avec ça, vous serez premier de votre promotion. Avec ça, vous apprendrez, vous étudiez vos leçons et vous allez retenir tout cela. Je vous dis, nous aussi, on a passé par ce campus. Nous avons servi le Seigneur. On n'a pas adopté les sept, mais ce que Dieu a voulu faire de nous, il a fait. Et il le fera pour toi aussi. Alléluia. Ne vous pressez pas. Ne courez pas derrière ces soi-disant faiseurs de miracles ou des gens qui disent qu'ils vont transformer votre histoire, votre vie, et ils vous proposent des choses. Vous abandonnez la voie que Dieu recommande pour suivre la voie, l'issue, la fin, c'est l'humiliation, c'est la chute. Et je ne vous le souhaite pas. Je dis, je ne vous le souhaite pas. Voilà. Ils sont dans les sociétés secrètes, dans les sectes pernicieuses, et ils sont devenus des esclaves. Et parmi eux, il y a certains qui ont des biens considérables. Beaucoup de biens, d'argent, de voitures, de maisons. J'en connais un particulièrement qui a plus de 100 maisons ici à l'Opin. 100 belles villas. Je le connais très bien, on se côtoie, et je le visite, je lui parle de Dieu. Il a plus de 100 maisons, de belles villas à l'Opin ici. Et je ne compte pas ce qu'il a à l'intérieur du pays et dans les autres pays. Il en a comme ça, mais est-ce qu'il en jouit? Il ne peut pas en jouir aujourd'hui. Quand vous voyez ça, à l'heure où je vous parle, c'est misérable. Il est misérable et dans ces conditions même, il a toujours peur de donner sa vie au Seigneur Jésus. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait les parties, les alliances dans lesquelles il est. Il a voulu être au sommet et aujourd'hui, il est pire même que les âmes. Je vous en prie. Ne cédez pas. Jésus a un plan merveilleux pour vous. Comme le terme de cette conférence le dit, vous serez élevé par la main de Dieu, par sa grande puissance. Vous serez des chrétiens et vous serez des gens dignes dans ce pays. Vous ferez partie même des leaders, des piliers de ce pays, mais Jésus sera votre maître. La franc-maçonnerie ne sera pas votre maître. Les cantons ne sera pas votre maître. Le Bouddha ne sera pas votre maître. Vous serez des chrétiens éclairés, avertis, qui feront des exploits pour le Seigneur. Alléluia. Je m'en vais rapidement brosser la vie de trois personnalités bibliques très rapidement et vous verrez clairement que ça ne sert à rien de courir en dehors de Dieu, de vouloir la position en dehors de Dieu, mais ceux qui savent se confier en leur Dieu,
ils renouvellent leur force. Amen. Le Nebuchadnezzar, c'est un roi très puissant, un roi très élevé, un roi très autoritaire et qui avait conduit un empire très célèbre dans l'époque. Nous allons voir son histoire dans le livre de Daniel. Nebuchadnezzar, le titre que j'ai donné à cette première partie, c'est Nebuchadnezzar, la fin d'un règne d'arrogance. Il faut noter ça. Nebuchadnezzar, la fin d'un règne d'arrogance. Quand vous lisez par exemple dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Trouver le chemin de l'humilité, le chemin de la soumission, le chemin de Dieu. Mais Nebuchadnezzar, c'est un roi qui n'a pas su emprunter le chemin de l'humilité et Dieu l'a fait chuter. Dans Daniel chapitre 2, vous trouverez l'histoire là de la chute de ce puissant monarque. Dans le livre de Daniel, vous lirez Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 4, vous trouverez l'histoire de ce monarque. Je vais vous lire seulement quelques versets pour vous expliquer ce que je veux dire. Dans Daniel au chapitre 2, Daniel au chapitre 2, je lis le premier verset qui dit, il dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le Panina eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi appelait les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les cabriens pour qu'ils lui disent ses songes. Il vit et se présentait, se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité, je voudrais connaître ce son. Les cadets répondirent au roi en langue arménienne. Ô roi, dis éternellement, dis le son de tes serviteurs à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Voilà, le roi a eu le songe et il a vu une statue bizarre. Il a eu tellement peur et puis il a appelé ses serviteurs, ses magiciens pour venir lui donner. Et le songe et l'explication. Les serviteurs disent, mais donc, roi, il faut nous dire d'abord le songe. Et nous, on va te donner l'explication. Mais le roi sait que c'est des menteurs. S'ils sont véritablement des tisseurs de bonne aventure, eux-mêmes n'ont pas décelé le songe par leur magie et en donner l'explication. Sinon, ils mourront. Effectivement, personne n'a pu déceler le songe. Et le roi a ordonné que eux tous soient tués. Voilà un roi aussi puissant, mais unique, qui a eu un songe et n'a pas révélé le songe, mais qui demande l'explication. Et comme les gens n'ont pas pu révéler le songe, il a ordonné leur mort. Voilà, c'est ce que les Romains font. C'est ce que les arrogants font. Ils croient qu'ils sont tout puissants, qu'ils sont Dieu, et exactement l'orgueil aussi se place à la place de Dieu. Ils se croient Dieu, ils se croient tout puissants, ils se croient tout permis. Et même parmi vous, les camarades, l'orgueilleux vous minimise. L'orgueilleux fait comme si vous n'êtes pas une personne à respecter, à honorer. C'est ça la vie des orgueilleux. Si tu es comme ça, c'est que tu as pris un chemin très dangereux. L'issue, c'est la chute, c'est la ruine. L'humiliation et la fin des hautains. La fin des hautains, c'est toujours la honte. C'est le mépris, c'est le dégoût de la vie et même le suicide quand on est hautain. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce qu'il y a un homme dans la vie qu'on appelle Daniel. Comme Daniel a appris que le roi demandait continuer tous les magiciens, tous les rois, il a dit pourquoi ça? Et on a dit que le roi a eu un songe. Mais personne n'arrive à te donner le songe et l'explication. Daniel, lui, est allé devant le Dieu créateur.
le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui est la source de la sagesse. Alléluia. Amen. Et dans son sommeil, Dieu lui a communiqué le songe que le roi a eu et lui a donné l'explication. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Ce que tu as actuellement dans ta pensée, que moi je ne connais pas, Dieu, il peut fouiller ta pensée. Il peut fouiller ta profondeur. Dieu sait que là où tu es maintenant, tu es un faux, tu n'es pas un véritable, tu es un menteur. Il connaît la vie que nous menons, le fond de chaque cœur. C'est ce que Dieu sait faire. Dieu a révélé la pensée de ce roi à Daniel. Et Daniel est venu devant le roi et il a donné et le songe et l'explication. Mais après l'explication du songe, voyez, chapitre 2, verset 47, ce que le roi dit. Chapitre 2, Daniel 2, verset 47. Il dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le Dieu des dieux. Ils viendront à vous ici sur le campus pour vous dire qu'il y a des exercices. Le yoga qui va vous aider, un exercice qui vous aide à faire partie de votre esprit, à même voyager votre esprit, afin de vous former davantage, de vous aider à être mature physiquement et spirituellement. Il n'y a pas d'autre esprit qui peut élever à part l'esprit de Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas d'autre esprit, d'autre maître spirituel que le Saint-Esprit qui peut vous conduire à des bons ports. Quand Daniel s'est confié en son Dieu, Dieu l'a élevé parmi les magiciens. Dieu l'a élevé, ce n'est pas toutes ces sociétés secrètes et ces groupes qu'on dit, des groupes d'études astrales, etc. Ne cédez pas. Quand vous voulez vous élever par ces moyens, vous risquerez des chutes indéniables et irrémédiables. On ne pourra plus rien faire. Les prières des chrétiens, des gens de délivrance, ne pourront plus rien faire parce que vous serez allé trop loin et pas possibilité de retourner. Nebuchadnezzar reconnut ici que le Dieu de Daniel est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et lui dit, il est en train de parler dans le verset 47 que je vous ai dit, et il révèle des secrets puisque tu as pu démontrer ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Nebuchadnezzar a reconnu la souveraineté de Dieu, la suprématie de Dieu, et il a dit que le Dieu de Daniel est le seul Dieu qui mérite adoration. Mais regardez curieusement le chapitre 3. Chapitre 3, le premier verset. Vous êtes à la page? Daniel, chapitre 3, le premier verset dit, le roi de Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 10 ou de 6 coudées. Excusez-moi. 6 coudées, 10 coudées, 60 coudées de haut. Une grande idole. Après avoir reconnu la souveraineté, la suprématie de Dieu, quand tout est parti, dès que son esprit est calmé, il a fait une grande idole de 60 coudées. 60 coudées, si je prends une coudée comme étant un mètre, ça veut dire que l'idole est haute de 60 mètres et de 6 mètres de large. Vous avez déjà vu une idole comme ça, Lomé? Une grande idole. Et qu'est-ce qu'il a fait, Nebuchadnezzar? Il a ordonné que cette idole ait sa propre représentation et c'est à cette idole que tout le monde doit adresser des prières, s'agenouiller. Et il a ordonné que des musiques sonnent et au son de la musique, que tous s'agenouillent et prient l'idole. Mais dans le pays, il y a les compagnons de Daniel
Shadrach, Meshach, Abednego. Eux, ils ont dit quoi? Nous n'adorerons pas ton idole. Et même si nous devons mourir, nous n'adorerons pas ton idole. Le roi est fâché et il a voulu les jeter dans le feu. Même devant le feu, ces jeunes étudiants, moi je les appelle les étudiants à Babylone, ces jeunes étudiants, parce qu'ils avaient été en plus dans l'université de Canada, on les a formés et on les a élevés en dignité. Et voilà, les Canadiens ont ordonné, mais les jeunes là ont dit, roi, sache que notre Dieu veut nous délivrer de ton feu là. Que Dieu te délivrera. Amen. Si tu sais persévérer, même dans la souffrance, dans la misère, ce n'est pas parce que tu manques de l'argent que tu deviendras pas de l'argent, tu n'es pas omis pour pouvoir finir tes études. Si tu sais que cet argent va te rendre esclave pour toute ta vie. Ce n'est pas parce que tu es dans le besoin que ton sexe n'aura plus de valeur devant toi et que tu vas le livrer à n'importe qui passe. Ce n'est pas comme convenable. Ce n'est pas acceptable. Mais ces jeunes hébreux, nous avons dit dans le chapitre 3, le verset 18. Chapitre 3, le verset 18, il nous dit, si l'on sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Verset 19 dit, sur quoi les Canadiens furent remplis de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fumée 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fumée ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fumée ardente. Comme l'or du roi était sévère et que la fumée était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà ce qui s'est passé. Parce que ces jeunes étaient fermes dans leur foi. Ils ne veulent pas la position en vantant leur âme. Ils ont rejeté la position. Ils ont rejeté l'élévation charnelle sans Dieu. Et la conséquence, c'est qu'on veut les tuer. Mais ils ont accepté. Mais dans le feu, Dieu lui-même est descendu. Alléluia. Dans ta promesse, Jésus descendra. Dans ton malheur, le Seigneur Jésus viendra te rencontrer. Et il va t'élever contre ton attente. C'est ce qui était arrivé. Dans le feu, Jésus-Christ lui-même est descendu et il a rendu le feu comme une chambre climatisée. Les jeunes hommes, la tête du diable, étaient dans le feu en train de danser. Et le candidat dit, mais qu'est-ce que je vois? N'avons-nous pas jeté trois hommes dans le feu? Mais je vois un candidat qui a le visage d'un fils de Dieu. C'est Jésus lui-même. Jésus lui-même dit que quand tu es dans le feu, je serai avec toi. Quand tu es dans l'eau, je serai avec toi et tu ne seras pas submergé. C'est ce qui était arrivé. Et voilà. Une fois encore, si regardez ce que le Canadien dit. Ensuite, verset 26, il dit, ensuite le Canadien s'approcha de l'entrée de la fenêtre et prenant la parole, dit, Shadrach, Meshach, avec nos serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, avec nous, sortit du milieu du feu. Lui-même, il a dit ici, serviteur du Dieu suprême. Il a encore répondu que c'est le Dieu qui est suprême. Et continuez, et vous allez voir, le candidat, verset 8, le candidat prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Qui voudra adorer Dieu seul et non pas les idoles et les sociétés secrètes? Qui est ici? Quand tu le fais, Dieu t'élèvera. Je te rassure.
Dieu a élevé ses serviteurs parce qu'ils ont soumis leur vie au Dieu vivant. Et le Canisard dit dans le verset 29, il dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue, il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Aucun autre Dieu. Baal ne peut pas délivrer. Même Mahomet ne peut pas délivrer. Il n'y a que Jésus seul qui peut sauver et qui peut élever. Jésus seul, lui seul peut t'élever, lui seul peut faire ce que tu veux, et non pas ta chair, et non pas tes yeux. Maintenant, dans le chapitre 4 de Daniel, nous avons vu le roi de Capesa. Il a vu la main de Dieu, il a vu l'autorité de Dieu, lui-même l'a confessé, mais il a continué toujours dans son arrogance. Dans son arrogance. Et maintenant, Dieu lui a montré des choses. Que comme tu as vu et tu n'as pas cédé, ce que je vais faire, je vais transformer ton cœur en cœur animal, en cœur de peur. Dieu a fait de Nebuchadnezzar un peu. Tu vas sortir du palais, tu vas aller en brousse et tu vas brouter comme les bœufs, afin que tu saches que je suis le seul. Alléluia. Dans le chapitre 4, le chapitre 4, pour terminer cette partie, il dit, verset 26, il dit, pardon, chapitre 4 de Daniel, je vous lis le verset 34. Il dit, d'abord avant ça, verset 31, il dit, la parole était encore dans sa bouche, une voix descendit du ciel. Apprends, roi de Palaisa, qu'on va t'enlever ton royaume. On va t'enlever ton royaume. Le verset 30 même dit, le roi prit la parole, dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. C'est ce qu'il était en train de dire dans son palais quand la voix de Dieu a résonné et dit, à partir de cet instant, on t'enlève ton royaume. Et immédiatement, Nebuchadnezzar a perdu le royaume. Il est devenu animal de quatre pattes et il est chassé du royaume. Il est parti dans la forêt et là, il broutait de lèvres. Vous allez lire tout le chapitre 4, vous allez voir. Nebuchadnezzar était resté comme un animal pendant 7 ans. Mais Dieu a eu pitié de lui pour le faire revenir. Et quand il est revenu maintenant, il s'est soumis à Dieu. Lorsque quelqu'un veut s'élever, Dieu l'abaisse. Mais ne te lève pas. Et ne sois pas trop pressé par rapport à ton temps. Mais il faut être diligent. Il ne faut pas considérer, bien confondre, la précipitation et la rapidité. C'est deux choses différentes. Marche diligemment vers ta destinée que Dieu t'a réservée. Et ça s'accomplira au nom de Jésus. La deuxième personnalité, en deux mots, c'est Géasi. Géasi, c'est un personnage biblique également. Géasi, j'ai intitulé cela Géasi, la ruine d'une ambition démesurée. Géasi, la ruine d'une ambition démesurée. Alors, qui est Géasi? On trouve ce personnage dans le livre de Deux Rois, dans le chapitre 5. C'est là, vous verrez l'histoire malheureuse de ce jeune homme. C'est un serviteur qui travaille sous un grand prophète et il était scellé, il servait avec fidélité et avec crainte. Nous avons vu comment même depuis le trône on peut chuter.
processus qui peut bloquer ton avancement et tu peux te retrouver dans une situation, je l'ai dit au début, irrémédiable. Irrémédiable. Alors, dans 2 Rois chapitre 5, nous voyons l'histoire de Naaman. Naaman, c'est un général syrien qui était devenu lépreux. La lèpre, c'est une maladie très grave qui ronge tous les nerfs et détruit donc normalement l'harmonie de tout le corps. Alors, un général d'armée puissant, riche, mais qui a la lèpre. Il est lépreux et donc il ne peut pas être content. Mais lisons l'histoire de 2 Rois chapitre 5, verset 1er dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis pour la troupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est une jeune fille chrétienne, je peux dire, qui est dans la maison d'un idolâtre. Et quand elle a vu qu'il y a une situation qui n'allait pas, elle a parlé de son Dieu. Elle a parlé de son pasteur. Elle a évoqué le nom du serviteur de Dieu. Dit, si on peut amener mon maître là-bas, il sera guéri. Le roi de Syrie, lui, ne comprenant pas la chose. Et il a écrit rapidement une lettre et l'a envoyé à au roi d'Israël, lui demandant de guérir le général. Alors la lettre est parvenue dans la maison du roi d'Israël et quand le roi a vu ça, il s'est passé, il dit comment moi on peut m'envoyer une lettre pour aller guérir quelqu'un? Est-ce que je suis un Dieu? Est-ce que je suis un médecin? Et il commençait par se plaindre et rapidement la nouvelle parvint dans les oreilles du prophète Élisée. Et Élisée a dit, faites venir le monsieur. Le monsieur était là et Élisée a donné ses recommandations et puis Naaman était guéri de sa lèpre. Alléluia. Alléluia. Quand on se soumet à Dieu, quand on a foi en Dieu, on voit toujours la gloire de Dieu. La gloire de Dieu t'attend devant toi. Mais il s'est passé quelque chose. Naaman était très content, a donné beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup d'événements à Élisée. Et Élisée a dit, je ne prends pas un sou. C'est toujours dans le chapitre 5. Gehazi était là à côté et il regardait, il écoutait tout. Naaman a supplié le prophète de prendre quelque chose, mais le prophète dit, je ne prends rien, ce n'est pas par cette voie que je veux m'enrichir. Je ne vais pas vendre la parole de Dieu, je ne vais pas, disons, profiter de la parole de Dieu pour m'enrichir. Non, il a refusé. Et quand le monsieur était en train de partir, Gehazi s'est dit, mais comment mon maître peut refuser tant de richesses? Comment? Est-ce qu'il est bon? Nous sommes dans la pauvreté, nous n'avons même pas de quoi bâtir notre maison et on est donné toutes ces richesses là, il refuse. Le monsieur est parti et il a dit, il a pris sa course, il a couru jusqu'à rattraper monsieur Naaman et comme Naaman lui-même l'a vu, il est descendu de son char et dit, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Gehazi a dit, monsieur Naaman, mon maître, à peine je suis parti, il a reçu des visiteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Le mensonge. Menti pour atteindre le sommet. Tu vas chuter. Ça, c'est sûr. Et ce serait irrémédiable. Ceux qui mentent pour atteindre le sommet, ceux qui laissent de côté leurs études, leurs cahiers, pour planifier la tricherie, pour atteindre le sommet, tu vas chuter, ça c'est sûr. Ceux qui ne
la duplicité. Tu vas chuter, ça c'est sûr. Ça ne va pas loin, c'est voir l'homme le commander. Tous ceux qui utilisent des astuces malencontreuses pour avancer, c'est la voie de l'orgueil, c'est la voie de l'arrogance. Ceux qui veulent voler pour s'enrichir, comme ça se voit aujourd'hui dans notre pays, où certains sont placés à des postes et la corruption, ils sont là, ils volent le pays, ils volent l'argent, ils volent l'argent. Ils sont à 80 000, 100 000, 200 000 francs par mois, mais ils ont plusieurs villas. L'argent vient du vol. Ils vont chuter. Ne regardez pas ça. Nous l'avons lu, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Ça ne vient pas de Dieu. Et ça fait chuter. Mais tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, eux, ils vont demeurer éternellement. Si tu es en train de construire ta vie un peu, tu vas t'en jouir. Tu vas t'en jouir que de vouloir t'enrichir en un seul jour. Ce n'est pas normal. Tu veux t'enrichir rapidement. Ce n'est pas normal. C'est ce qui a fait que certains jeunes qui sont arrivés au campus et voulant trop rapidement gagner leur vie aujourd'hui est devenue une servitude vraiment indescriptible. Elles sont dans les liens de toutes sortes de démons. Et il y a des garçons aussi qui se laissent dans de telles choses sur le campus. Et leur vie est misérable. Leur vie est misérable. Ils veulent être au-dessus de tout le monde. Et pour cela, ils sont obligés de se donner à la drogue, à l'alcool. Ils veulent boire pour pouvoir parler parmi les gens. Le Saint-Esprit nous remplit de joie. Et quand on est rempli de l'Esprit, on peut bien parler. Alléluia. Ouais. Même si tu es chrétien et tu te donnes à tes études, les écoles même ont dit c'est seulement certains fils, certains privilégiés qui peuvent trouver place là-bas. Toi, tu y trouveras place, tu vas réussir là-bas contre toute attente. Si tu sais te confier à ton Dieu. Ce n'est pas par le péché qu'on peut demeurer au sommet et faire la joie de son Dieu. Alléluia. Alléluia. À la fin de ce chapitre, voyez, quand il a fait ça, le monsieur a dit, oh, moi, il n'y a pas de problème, tu as demandé quand je vais te donner deux. Le maître dit, le maître a besoin d'un peu. Ok. Maintenant, comme moi-même, je voulais donner avant, il refusait. Et maintenant, il y a besoin. Prends davantage pour aller donner à ton maître. Et Gehazi a pris des sacs d'argent d'or et des vêtements. Bon. Naaman dit, mes serviteurs vont t'aider pour arriver ça. Mais sur le chemin, il a dit aux serviteurs, bon, je crois que ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à la maison. Je prends et vous pouvez retourner. Moi-même, je vais gérer le reste. Le menteur. Et quand il est arrivé, le maître a connu cela. Et le maître a dit, Gehazi, tu viens, dit, non, je viens à peine de me promener à côté là-bas. Quand tu prenais les cadeaux de la main de Naaman, je t'avais vu. Mon esprit t'avait vu. À cause de cela, la lèpre de Naaman va te revenir à toi, à ta femme et à tes descendants. Au moment où Gehazi sortait de devant le prophète, il était blanchi de lèpre. Il a gagné, n'est-ce pas? Il a gagné, non? Il a voulu s'immiscer au sommet par n'importe quelle voie et rapidement, il a chuté. Je ne te le souhaite pas. Pour terminer, je veux parler du troisième personnage là. Je vais dire seulement deux mots, puisque on vous en a parlé rapidement ce matin. Il s'agit de Joseph. J'ai dit ici Joseph, l'élévation d'une vie soumise à Dieu. La vie de Joseph est une vie de défi. Un jeune qui aime Dieu, qui se donne à Dieu, qui s'est consacré à Dieu. Et ses frères l'ont vendu. On l'a amené comme esclave en Égypte. Et là, même où il n'y a pas de prédication, il n'y a pas de parole de Dieu, Joseph est demeuré toujours un enfant qui craint Dieu.
Dans la maison de son maître Potiphar, la femme a dit Joseph, j'ai couché avec moi. Si c'est toi, une femme, un petit jeune homme, j'ai couché avec moi. Nous ici, personne ne nous appelle, mais c'est nous, mais qui courons devant les pas, derrière les pas. Mais Joseph, la femme l'a même attrapé. Mais il s'est débattu et a fui, laissant ses vêtements dans la main de la femme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas faire ça pour pécher contre mon Dieu. Un homme soumis, un homme qui craint Dieu, un homme dévoué à Dieu. Et quand le maître est fâché, la femme a menti que lui, il a voulu coucher avec moi, j'ai crié, il l'a vu. On a jeté ce jeune homme en prison, mais encore dans la prison, il est resté attaché à son Dieu. Et de la prison, le roi a besoin de quelqu'un pour l'interpréter derrière. Joseph est allé. Tu trouveras cette histoire dans Genèse chapitre 39, 40, pour lire au moins peut-être le chapitre. Tu verras l'histoire de Joseph. Et de la prison, Joseph est allé dans la maison du roi, le pharaon de l'époque. Le pharaon a dit, tout ce que tu viens de me dire, je ne pense qu'il n'y ait personne dans ce pays à part toi pour pouvoir faire ce rôle. Et Pharaon l'a nommé premier ministre. Voilà quelqu'un qui est simple, qui est dans la bassesse et que Dieu a élevé tout simplement. Quelles sont les caractéristiques de la vie de Joseph? Joseph craint Dieu. Joseph a en horreur le péché. Joseph n'aime pas les mauvaises compagnies. Joseph n'aime pas aller dans des lieux non recommandés, les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool, la vie de débauche, l'immoralité, la pornographie, tout cela, Joseph s'est mis à l'écart et il servait son Dieu dans l'humilité, dans la simplicité, dans la modestie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Un dernier verset pour prier. Romains chapitre 12, verset 7. Le dernier verset pour prier. Quelle est ta position actuellement? Tu cours pour gagner rapidement la vie et tu es devenu esclave. Tu as cédé ton corps, ton sexe, pour de l'argent. As-tu la paix, la joie de ton cursus scolaire, académique va aboutir favorablement? Quels sont les différents voies par lesquels tu veux passer pour atteindre le sommet? En Jésus, nous avons la telle possibilité. Romains chapitre 12, verset 16. Je vous lis. La parole de Dieu nous dit: ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Veux-tu atteindre le sommet? Et par quelle voie tu veux y passer? Ce n'est pas par le péché, ce n'est pas par la corruption. Mais en découvrant sa vie de péché d'esclave, tu viens à Jésus, tu demandes pardon. Seigneur, toutes les voies que tu avais prises auparavant, je les abandonne. Maintenant, je veux te suivre, je veux aller avec toi. Et quand tu es dans le Seigneur, ferme. Vous voyez tous ces gens qui sont derrière ici, vos dirigeants, les gens qui sont quelque chose au campus, ils sont des chrétiens, mais Dieu les a élevés et il va vous élever aussi. Nous allons nous lever et humblement nous allons prier le Seigneur et Dieu va nous soutenir. Lève-toi, lève-toi sur tes pieds. Nous sommes en train de passer un moment très intéressant et très important. Es-tu chrétien ou n'es-tu pas chrétien? C'est le moment de lever la voix et dire: Seigneur, je viens à toi. J'étais sur la voie de l'égarement. J'étais sur la voie de l'arrogance, comme le cas de Nebuchadnezzar. Lui, il a été ruiné, son royaume a été détruit, il est devenu un animal,
Nous avons vu un exemple de Gehazi qui a voulu rapidement s'enrichir et il s'est appauvri. Nous avons vu également l'exemple de Joseph qui est parti de la bassesse, mais qui a fait le chemin. Tu vas prier, dit Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés et donne-moi la grâce de devenir chrétien dès ce jour, dès ce matin. Je ne veux plus errer. Je ne veux plus vendre mon corps pour l'argent. Je ne veux plus vendre mon âme pour la position ou la gloire des hommes. Je ne veux plus laisser mes yeux à la convoitise de charnel, à la convoitise des cieux. Mais je veux t'appartenir, Seigneur. Tu es encore dans la servitude de ton corps, du péché. Et même certains ont déjà séduit et tu t'es fondé dans tes brebis. Le Seigneur peut t'élever ce matin. Tu veux devenir chrétien, être totalement délivré de toutes sortes de péchés. Je vais prier avec toi. Tu vas lever la main pour signifier. Je veux tout ce qui veut devenir chrétien pour garder une relation de Dieu. Tu vas lever la main et je vais prier avec toi. Il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de honte à vouloir faire du bien. Mais la honte doit être plutôt quand on a le désir de faire le mal ou de se fondrer par la peur. Tu vas lever la main pour signifier que tu veux devenir chrétien à partir de ce matin. Et ton corps, ton âme, ton esprit seront le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Les mains bien levées, merci, que Dieu vous bénisse. Je vois ces mains, je vous vois, oui. Je t'attends encore qui veut devenir chrétien, mais quelque chose te dit non, pas maintenant, pas maintenant. Ne laisse pas, ne lève pas la main. Tu risques de perdre telle relation, de telle amitié. Ah, l'argent que tu gagnes là, non, si tu deviens chrétien maintenant, tu ne peux plus gagner cet argent. Il vaut mieux vivre dans la pauvreté, dans le Seigneur, que de s'enrichir dans le diable, dans les démons. Merci pour les mains levées. Vous pouvez faire encore une deuxième effort. Venez devant moi ici, je vais prier avec vous. Vous qui avez les mains levées, venez, on va prier ensemble ici. Il n'y a pas de mauvaise chose à vouloir devenir chrétien, avoir la vie transformée. Oui, derrière, je t'attends. Je t'attends parce que c'est le jour de ton salut. Ne permets pas à Satan d'être content et dire oui. Je vais continuer par l'utiliser afin que son corps soit la pourriture, le jouet de tous les hommes, de tout faire pas. Non, tu vas dire non à cela ce matin. Jésus-Christ veut te visiter et faire de toi une nouvelle création. Si tu es encore derrière, je t'attends pour commencer la prière. Viens devant pour donner ta vie au Seigneur. Lui seul a le pouvoir de t'élever. Lui seul peut faire de toi un enfant de Dieu. Lui seul est à la convoitise de la chair. Oui, tout est désir charnel. Parfois, tu n'as pas envie de commettre certains péchés, mais la chair t'est dominée. Mais le Saint-Esprit va te donner le pouvoir de dominer la passion de la chair. Viens devant nous avons prié. Oui, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus devant. Je vais prier avec vous. Nous avons les yeux fermés. Nous avons la tête baissée. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et mes péchés sont constamment devant moi. Je connais tous mes péchés. Et je veux te les éliminer. À l'instant même, je renonce à la vie de péché. Je renonce au mal. Je renonce au score. À partir de ce matin, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Entre dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Et donne-moi la grâce de te suivre. Accorde-moi la grâce de te donner mon corps. Accorde-moi la grâce de te
Satan, et écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Éternel, mon Dieu, je te bénis pour la vie de tes enfants. Ils sont sortis et ils n'ont pas eu honte de te proclamer leur Seigneur. Toi, tu as dit que celui qui a honte devant de toi, devant les hommes, tu auras honte de lui devant ton Père. Mais eux, ils ont bravé la honte et ils sont sortis devant de toi. Je prie, je te supplie, Seigneur, pardonne tout leur péché. Tout ce qu'ils ont fait pour irriter ta colère, Seigneur, je prie de les pardonner. Et comme Jésus est allé à la croix, il a versé son sang, ils ont cru au Seigneur. Je prie, Seigneur, que le sang versé à la croix efface toute leur transgression maintenant, efface de des enfants, des filles et des filles de Dieu, au nom de Jésus. Tous les liens sataniques, tous les liens avec les sociétés secrètes, tous ces liens sont brisés maintenant au nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie, les liens des envoûtements, les liens des griffes, les liens des esprits de famille, tous ces liens sont brisés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, fais d'eux des enfants libres, des enfants qui ont le pouvoir sur la chair, sur le moi, sur le péché et sur les démons au nom de Jésus. À partir de ce destin, aide-les à aller et ne plus recommencer dans la vie de péché. Je loue ton nom, Seigneur, car tu l'as fait pour eux. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, on va vous donner certainement des fiches qui vous permettront de vous retrouver et de vous aider après. Pendant le déjeuner, je vais déjeuner avec vous à la chaîne Ouest. Et j'ai des choses, beaucoup de choses à vous dire. Vous avez compris, hein? Que Dieu vous bénisse. Félicitations pour votre décision. J'ai dit bien.